Le soleil vient de se lever, la dernière soirée est passée. Nous allons bientôt finir dans un avion de mer. Je touche les premières. Grenadine qu'il m'a pris de planter. T'es dans cette terre pour couvrir le ciel. On n'a fait que me dire que ces petites ficelles ne tiendront pas l'éternel. Nous verrons donc bien. Se manguer à des mangues, pas beaucoup, mais il en a quand même plus que d'habitude à cette saison. C'est un peu de mon cœur qui restera ici-bas, dans cette maison qui a fait de moi un papa. C'était une voiture qui passait au ralenti. Voici un peu à quoi ressemble la maison. C'est un cours au sol. Et il se bat avec tellement d'arbres pour trouver un peu de lumière. C'est pas simple pour lui. C'est vrai qu'il ferait tailler ce flamboyant. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, de faire? Je sais pas. Les canards ont disparu. Oh, c'était un litchi, ça. J'étais même pas au courant que c'était un litchi. Il y a eu les premiers litchis bons, hein. Mais avec les coups de vent, parce qu'ils ramassent vraiment des coups de vent, celui-là, il y a tous les fruits qui tombent au sol. Et du coup, il n'y a pas de litchi. Mais en fait, c'est trop la classe parce que là, ce que je viens de marcher, ben ça, toutes ces fleurs, c'est du litchi. Elle vient d'où cette branche? Elle vient de là, cette branche. C'est amusant, son ensoleillement à lui, c'est sur le coucher du soleil qui le prend. Ah, sur le lever du soleil, c'est trop la guerre. Et quoique, là, en hiver, donc, c'est quand que le. Ah non, c'est en été que le soleil est le plus au nord. Ou non, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi. Route. Oui, des mangues là-bas aussi. J'ai pas l'habitude de voir des mangues sur ces mangues. Mais ouais, j'imagine qu'il y a plein de trucs à faire. Il faudrait couper et dégager le manguier. Ma sauge qui pousse. Ma sauge qui pousse, ce chat errant a élu domicile dans ce jardin béant.
ces lieux est un refuge pour toutes les âmes en déshérence. Voici les premiers piments de cette cour qui poussera sous nos yeux. Merci à ce bissap qui est bientôt en fleur pour pouvoir en boire. Cette rose est très bonne en infusion du matin au soir. Toutes les courge naissante finisse comme ça la pourrie immature avant l'heure. Comment faire pour les voir pousser pour de vrai? Comment faire pour les voir nous nourrir? Je ne sais pas encore. Nous verrons bien le jour où toutes ces courges donneront. J'espère qu'un jour ce jardin nous ira le ciel et ses enfants. Comment faire pour trouver le monde d'après?